Hop, coucou. J'espère que ça va bien. Vous, on va continuer du coup Cult of the Lamb. On avait un petit peu joué 1 h 30 et du coup bah là on va continuer. On va continuer, on va continuer. Hop là. On va baisser un peu le son. Et voilà. Let's go. Je joue la manette. Oui. Joue aussi Stylax. Oui, on est des jours 5, on avait 7 fidèles. 1 h 30 de jeu pile poil. On n'a tué aucun hérétique. Petit agneau mignon. Alors, c'est vrai qu'il fallait faire un lit. Mets-moi ça. Bon, ça a l'air d'aller. J'avais enlevé les cacas, je crois. Ouais, ça avait l'air bon. Et ici, j'avais mis des trucs dedans. Ok. Eh bien, on va voyager pour aller dans la maison. Du vieux là. Tiens, te remercier. En me libérant de mes fonctions, tu m'as offert ce que je désirais le plus, la tranquillité d'esprit. Je t'ai appris tout ce que je savais. Je vais donc pouvoir passer mes journées à jouer aux osselets. Maintenant que je suis à la retraite, je vais pouvoir en profiter. J'ai justement invité quelques amis à jouer. Ce sont de sacrés personnages pour suivre. Je le sens mal. Ok. Ah, il a des baies. Ouais! Je suis en train de lui piller ces trucs là. Je sais pas si c'est gentil ce que je fais, mais... Ah, putain. Apparence d'adepte. Oh ! Trop bien. J'ai découvert mon humble bicoque. Prends garde à ne pas commettre les mêmes erreurs que moi, ou tu finiras dans un endroit comme celui-ci. Ça te dit une petite partie d'osselet? Tu sais pas comment jouer? Ne t'inquiète pas, c'est très simple. Approche-toi de la table et je t'expliquerai. Pardon. Je vais revenir. Un grand cadeau. Un cadeau permettant d'augmenter la fidélité d'un adepte. Parfait. Rien faire d'autre. Joue aux osselets. Ok, donc on pourra choisir la difficulté. Un jeu de dés alliant risque et stratégie. Associer des dés. Lorsque des dés portant le même numéro sont placés sur la même ligne, leur valeur est multipliée. Détruisez les dés de vos adversaires en plaçant un dé identique en face des siens. On va voir. Ah, j'aurais pu le mettre au milieu. Ah! Est-ce que je peux toucher à ces 6 là? Ou ils sont bloqués? Ouh! Ça s'arrête quand? On peut plus rien placer. Là, si je fais ça. Giga vénère.
Un 4. Bâtard. Bah, hop. Bien ça, pas qu'il est 6. Pas super. Oh. Et nulos. D'accord, et quand tu termines tout, tu as gagné. Okay. Enfin, tu finis la partie. C'est rigolo. Par le dieu captif tout puissant. Tu as un don. Tiens, tu as gagné une récompense. Ouais. Octroie un PV supplémentaire. Hop. Maintenant que tu as goûté au jeu le plus addictif de ce bas monde, il est temps de parier quelques pièces. On va parier 5 pièces. J'ai pas encore trop vu la giga stratégie. Parce que là je le mets ici, mais bof. Bah ça protège un peu plus mon 6 parce que au lieu d'avoir 3 possibilités de me le péter, il aura que 2 possibilités de mettre un 6 ici. On va faire ça. Il met un 4. J'ai encore un 6. Donc je peux le mettre là. Mais s'il a 6, il me fait éclater la gueule. Mais bon, c'est le jeu, j'ai envie de dire. Le 2, on dirait vraiment un personnage vénère. Ah, 4. Chez. 6 là, j'ai pas été sort. Donc soit je mets ça ici, soit je mets là. On va mettre là, comme ça on va sauvegarder le fait de pouvoir mettre de défoncer ça. Quoique en vrai on va pas défoncer à droite parce que là en vrai ça sert à rien que je le mette ici. Parce que je lui enlève un 1, j'ai pas envie de lui enlever un 1 parce que c'est le minimum qu'il puisse faire. Donc je vais lui laisser le 1. Je vais faire ça. Ok. Moi ça me va. Le 3 je le remplace par un 5. Ok. Le 4 on va le mettre là. Bon. Là il faut pas que je lui pète à droite. Donc on va juste mettre le 6 et là c'est bon. Normalement j'ai full gagné. Il peut pas gagner. Voilà. De toute façon je vais le mettre là. Non. Ok, oui, j'ai terminé. Mais j'ai quand même gagné. Ok, c'est cool. Sympa. Il y a de la petite strat quand même de placer ou de lui péter ou pas. On dirait que je manque pas de chance aujourd'hui. Peu importe. Tu as bien joué. Ok. Bon. On reviendra quand il y aura d'autres gens. Mais c'est sympa, ouais. C'est cool. On va revenir au culte et vu que j'ai gagné de la thune, on va pouvoir faire le lit. De Jean-Maude. Je sais plus qui avait pas de lit. Et les ressources là. Alors, un lit. On va mettre là avec les autres. N'inquiétez pas, j'y vais. Hop là. Ah oh, c'est que Toulouse il avait pas de lit. Parfait. Bah voilà. Et on va partir défoncer des gens. Yop la boum. Salut. Finissons-en. Je t'attendrai dans mon temple. Viens si tu l'oses. Je te montrerai toute l'étendue de ma puissance. Ok. Oh, y a beaucoup de choses. Invoque de puissants tentacules. Tous les jours. Ah là, une dague ou une épée? Une dague. Oh c'est beau. Quoi?
lui, il m'a tapé. Un petit coup. Dommage. Oh le bâtard. Pour l'instant, ça va. J'ai pris un peu des coups, putain. Pardon de tousser. Alors, demi-PV, vitesse d'attaque multipliée. Bon, vitesse d'attaque. On est là pour taper, pas pour subir. Pas tenté. Coulée de plumes permet à un adepte de se déplacer plus rapidement. Je vous donnerai demain. Ok. Les adeptes, en vrai, on en a quand même pas mal. Hein. On en a pas mal. Alors, attendez. Est-ce que on prend du bois, du coup? Ou... on va tester le point d'interrogation. Ça peut être pas mal de voir ce que c'est. Allez, on va prendre le point d'interrogation. Dégueulasse. Acceptez le défi, c'est... Bien le bonjour, aimable agneau. Si tu survis au prochain combat sans recevoir de dégâts, tu auras droit à une surprise. Et si tu échoues, tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer. D'accord. Aucun dégât reçu dans 3 zones. Pas grand chose, notre bourbier. Ok, aucun dégât reçu dans 3 zones. Non, ça avait fait un truc là de le péter la gueule. Ok, tu chopes juste de la pierre et après il se transforme. Est-ce que ça compte pour une zone? Oh! Un poisson qui pêche. Mais Marmot, arrête de mater ma poiscaille. Il n'y en a pas assez pour deux, compris? T'as qu'à te trouver, allez au chemin du pèlerin. C'est là que se trouve le meilleur poisson. Comment ça, quel chemin? Je vais te montrer. Ah oui, pour être piché. À boire un peu parce que là... Voilà, maintenant du vent. Petit bâtard. Oh non, en vrai, c'est gentil. Oh les poissons! Je lui ai volé tous ces poissons, cher. Poisson. Ok, alors, en bas ou à gauche? On va dire en bas. Ok. Bon, première zone, pas de dégâts. Casse tout là, casse tout là-bas dedans. Ok,
Ok. Ouais, gauche. Oh là! Ah, Jean-Yves qui aime pas. L'oscillation mène à Magane. Commence à m'agacer, jeune agneau. Tu es une bonne marionnette. Tu crois peut-être faire ce qui est le juste en le servant. Mais tu devrais te méfier de l'être captif. Tant pis, le mal est fait. Tu ne mérites aucune absolution. Il est temps de mettre un terme à ta misérable vie. Ok. Ah. Oh non. Voyons. Ah, mais il y a encore du monde. Possible. Oh là, il a fait brain. Ok. Ah. Voilà un agneau admirable. Tu as relevé le défi. Que puis-je bientôt offrir? Ah, voilà une jolie récompense. Ouais, ouais. Apparence d'adepte. Oh, le petit cerf. Mais oui, ça j'aime bien. Ça c'est cool. Est-ce qu'on continue là? Ouais, voilà. D'accord. Forme de fleur. Petite décoration. Ok. On va retourner en arrière pour voir ce qu'on a loupé. Oh. Approche, Arthur. C'est par toi de des brumes tourbillonnantes du chaos qui t'entourent. Je veux pouvoir sonder ton âme. Je vois des siècles de tourmente. Un bien lourd fardeau pour de si frêles épaules. Pourtant, ta carrure est peu impressionnante, mais ton âme est redoutable. Une arme n'est rien si personne ne la manie pour abattre ses ennemis, défendre son honneur ou briser ses chaînes. Que ta couronne prenne la forme de l'un de ses ouvrages de fer, forgé dans le feu éternel. Toi qui dois apporter la libération, puisses-tu manier cette arme avec sagesse? Alors, ouais, donc ça c'est ce que j'ai. Maelstrom 2, dans 4 directions. Ou hache maudite. En vrai, j'aimais bien les haches. Tu mets des giga patates là. Je prends la hache. Hein? Qu'est-ce qu'il dit, lui? Hop, un peu de bois. Allez, salut! J'imagine qu'il y a la carte du tarot à droite. Même pas. Oh! Bon, j'ai dit max. Hein, prends un peu d'herbe. J'avais pas vu les gens autour là, putain. Salut toi. Bon, on y va, hein. Y'a plus qu'à, comme on dit. C'est quoi à gauche, ça? Cœur corrompu. Ou une carte de tarot. Prendre la carte du tarot. Hein. Cœur corrompu, je suis pas chaud. Hein. Permet de gagner 2 fois plus de ferveur en tuant un ennemi. Ça, c'est pas mal. On va essayer d'utiliser les tentacules un peu plus souvent. Allez. Le boss de cette zone. Oui,
péter la gueule. Voilà, chais. Merde, j'ai loupé. Voilà. Alors, épée maudite. Ou Maelstrom 2, pas Maelstrom 2. Hein. Ah, mais c'est vrai qu'on peut recycler des trucs. Merde, c'est pas comme ça. Ok. Ah bah, j'aurais pu recycler des trucs bien avant. Pas grave. Oh putain, c'est fort. Oh putain, c'est fort. Oh, c'était stylé. Ok. Oh, la petite bâtard, j'avais pas vu les pics. Oh, mais merde. Ce mob là. Hein. Ok. D'accord. C'est ici. Attendez, il me manque des endroits là. On va y aller maintenant. J'aime bien l'effet gribouillé des dessins là. Pour les côtés là. Super beau. Là-bas, il se passe quoi? Ah, ah mais merde. Déjà des trucs un peu inutiles. Encore des mannequins là. Et tout, moi, je suis un fou là. Ok. Drone. Oula. J'en ai eu assez de toi, jeune agneau. Cette ridicule mascarade a assez duré. Oulala. Ah. Oulala. Ok, il a toutes les compétences de tous les boss. Voilà. J'ai personne. Okay.
Oula! Pour un cœur. Ça sert à moi, chat. Vous avez arraché le cœur d'un hérétique. La couronne rouge peut dévorer ce cœur pour gagner en puissance. Rendez-vous à l'hôtel pour découvrir de nouveaux pouvoirs. Parfait. Ah, nice. Plein de thunes. Ah oui. Petite licorne. On va récupérer l'os. Bon bah voilà. C'est bon, y'a plus rien à choper là. Hop là! Ah, on s'est fait taper 2-3 fois là, à la fin, dommage. Mort d'un prélat, nouveaux objets plus 20%. Ah! Bien ça! Nados! Que renverser les chis comme l'aurait fait un raz de marée face à un grain de sable. Bah salut! C'est allé vite! Qu'est-ce qu'un berger sans son troupeau? Un berger quand même. Oh! Qu'est-ce que vous faites là? Cœur! Ils sont tout contents. Merci à vous, mes enfants. Ah! Bah voyez comme vous voulez. Benny! Allez, petit! On va faire des choses. À toi! Voilà! Que Dieu vous bénisse. Que moi je vous bénisse! Pas Dieu, hein, moi! Vous êtes plein à casser ça, là, c'est bien? Allez Gérard Junio, va. Béni toi, si je t'ai béni, Charles, je t'ai béni. Venir. Comment vas-tu mon préféré? Ah, ça ne te donne moins. Ah, vous avez faim. J'ai de quoi vous nourrir. Pas de problème, un point câlin. Allez hop! Dégustez-moi ça là! Ah bah vous avez bien prié, bordel! Personne vomit, c'est bon? Hadès, je t'ai pas béni! Si! Je t'ai pas vu! J'ai béni tout le monde là, j'ai l'impression! Alors, j'ai chopé la fosse commune, j'ai tout chopé. On va choper du coup le deuxième culte. Hop là. Délicieux. Ouais. Ah. Ah oui. C'est bien beau. Bon, ça mérite quand même quelques autres efforts, hein. C'est un peu dégueulasse en vrai. Abri basique. Et le bonheur de Zadette leur offrant un abri un peu plus solide. Décoration basique. Ouf, à offrande. Permet aux adeptes de déposer des offrandes en votre honneur. Ah! Un tabernacle. Permet aux adeptes qui ne prient pas auprès de l'hôtel de générer de la dévotion pour la journée. C'est bien.
On vient d'emprisonner les adeptes rebelles. Non, personne ne va être rebelle. Permet de former des missionnaires pour recruter de nouveaux adeptes, collecter de la nourriture, du bois, de la pierre ou des pièces. Du moins s'ils reviennent en vie. L'esprit d'un démon possède le corps d'un adepte et lui permet de vous accompagner dans un donjon. Mais c'est insane, c'est trop bien. Ventaille, empêche les oiseaux de bouffer. Oh mais c'est incroyable. Permet à l'adepte de miner de la pierre. Permet à l'adepte de couper du bois. Insane. Trop bien. Oh, qu'est-ce qu'il veut, Gérard Junior ? Je n'en parle pas. Honorable guide, les temps sont durs. Nous devrions préparer des plats d'herbe. Les adeptes ne seront pas contents, mais c'est ça, mourir de faim. Bah si tu veux, hein, mais pas ouf le plat d'herbe. Gérard Junio, tu vas bouffer, mais bon, j'ai même pas lu ce que ça donnait. Oh bah il a l'air délicieux. C'était bien. Un comblé d'honneur, véritable guide, merci. Ah, Gérard Junio, tu deviens incroyable, Gérard Junio. Oh merci. Combien cette merde? À moins 5 en foi, 25% de chance de rendre malade l'adepte. Bon bah c'est au cas où on va dire. Hein. Ah on peut déjà faire un truc. Alors je vous avoue que le sac d'invocation démoniaque c'est incroyable quoi. Si je peux prendre Gvanir avec moi et tout. Le poste de mission, le problème c'est que j'ai peur que les gens ne reviennent pas quoi. L'abri basique c'est bien, la coupe offrande c'est incroyable, prendre des offrandes. Non, ces offrandes après ça peut... Je vais prendre ça. Ça va m'apporter des trucs en plus et tout. Pour Snowball. Hein ? Alors la fosse commune balèque un peu. Ou pas offrande. On a assez. On va la mettre. Ouais. À côté. Hop. Putain. Oh venez m'aider hein. Faites pour WAM. Ouais voilà c'est bien. Ok. Ah bah là ça commence à pousser bien là. Ramasser les baies. Ça à quoi les camélias pour l'instant Balek hein. C'est chill hein. Bon ils ont déjà fini la construction déjà. C'est bien. Avant que le soleil se couche, là, il va falloir... Je peux fertiliser, mais j'ai 6 caca. On va peut-être garder les caca. On va faire des trucs, là. Ouais, voilà, les sermons. Venez. Hop, 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 les petits bibis. Merci à vous. Augmente le niveau de base de vos armes lorsque vous entrez dans un donjon. Parfait. Merci pour votre amour. Couronne. Alors oui, j'ai eu un cœur. C'est quoi? Je peux pas ça, mais c'est ça. Permet de ressusciter en sacrifiant un adepte lorsque vous mourrez dans un donjon pour la première fois. Ouais. Manger un plat une fois par jour pour recevoir un cœur. Ouais. Concentrez-vous dans un donjon pour retourner instantanément à votre base. Vous offrez un cœur corrompu lorsque vous entrez dans un donjon.
Alors, je sais pas ce que c'est un cœur corrompu. Mais on va prendre ça. Le reste, je sais pas. J'ai pas envie de tuer un adepte. J'ai pas envie de manger un plat parce que déjà, c'est compliqué d'avoir des plats. Peut-être qu'après, hein, tu vois, genre, à mon deuxième cœur, je pourrais faire ça. Concentrez-vous dans un donjon pour retenir strictement votre base. Je vois pas pourquoi. On va prendre ça. Ah, vous avez débloqué un nouveau pouvoir de la couronne. Vous obtiendrez désormais un cœur corrompu au début de chaque nouveau donjon. Les cœurs corrompus infligent des dégâts à tous les ennemis de la zone lorsqu'ils vous attaquent. Ouais, ok. Ok. On a des petits rituels à faire là. Non. En train de se recharger. Est-ce qu'il y a des doctrines à faire? Bon bah voilà hein. Salut les bébés hein. Oh là là, y en a, ils ont des yeux chelous. T'as quoi toi? Ah d'accord. Ah là 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 là, mais vous me comblez de bonheur. Enfin, je vous comble de bonheur apparemment. Incroyable. Toi aussi. Oh là 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 là, mais c'est incroyable. Tout ça. Bon, vous chiez, mais c'est pas mal quand même. C'est normal de chier. En plus, ça fait du fertilisant. Donc. Venir, toi, t'es niveau 2 déjà, toi. Donc. Déjà, v'là bien. Ok, donc là on peut refaire un autre truc. Très bien. Bon allez, on va faire ça. Petit poste de mission là. Ah, tout le monde fait faire dodo. Alors c'est ouf. Poste de mission. Ça va être cher, mais on peut le faire. Hein. On le met où? On le fout là? Ouais, on peut le fout là. Regardez comment ils vont tous faire dodo. Ils sont trop mignons. Ah, ils font. Qu'est-ce que c'est que ce caca qui se déplace? Oh là, reviens là, toi! Ils volent les cacas? Pas possible! Ah ah! Non, non, merde, je l'ai. Oh, je suis désolé, je vous ai réveillé. Est-ce que on se remet dans travail et prière? L'admiration ou la peur. Débloquer la possibilité d'inspirer un adepte pour grandement augmenter sa fidélité. Ça remplace l'action bénir. Débloque la possibilité d'intimider un adepte pour augmenter légèrement sa fidélité et le faire travailler 10% plus vite pendant 2 jours. Non, moi je préfère être un agneau mignon. Hein. Augmenter sa fidélité. Hein. Avec la fidélité, voilà quoi. Et puis travailler, on a le temps quoi. Ça va. On a le temps. 10% plus vite. Oh, allez, c'est pas fini. Ah bah si, c'est fini. Désolé, hein. Ah non, attendez, attendez. Vraiment, il y a des trucs de doctrine. Non, c'est juste pour voir. Ok. Désolé hein, pour le dodo. Hein. Barak, venir. Respirer. Yes. Ah, qu'est-ce qu'il y a?
Guide, on raconte que Charles est en réalité un agent double appartenant à un autre culte. Non, vous devez confronter cet odieux personnage. Charles. Oh Charles! On va attendre la fin de la nuit parce que... bon, potentiellement c'est faux, mais... Ça va être très déçu. Rien là. Y'a pas assez de lits pour tous mes adeptes? Comment ça? Ah! Il est con lui, il a tout cassé. Charles! Il est où Charles? Charles! Aurora rayonne et nous protège tous, hein? Quelle journée exquise. Oh là là, oui. Mon bon Cthulhu. Gaston, permets-moi de t'inspirer. La créature cache quelque chose, vous devez me croire, Guide. Je te crois, Gagnia. Oh là là, Gagnia. Une gassure. Bon, viens, 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 je peux réinspirer, c'était hier soir. Bon, Charles. Je te fais des cadeaux, Charles, tu restes là? C'est quoi tes pensées? À danser avec vous, j'ai établi une véritable connexion avec notre guide. C'est indécent. Ah, elle fait ses besoins dehors. D'accord, les chiottes. Ne le pensez pas manger de la mauvaise soupe. Ah non, il n'y a pas. Mais bon, je fais confiance à Gvenir quand même. Bon, attendez, par contre là, je vois que j'inspire tout le monde là, putain. Charles Junio, tu vas t'inspirer. Hadès, tu vas t'inspirer. Couper l'arbre. Venir, je vais t'aider parce que bon... il me faut de l'arbre en fait. Ou du bouet. Oh oui. Louis, il casse son lit là. Ah oui, c'est ça qu'il fallait que je fasse aussi. Replante. Voilà. Voilà, voilà. Aller trouver de la bouffe aussi pour vous faire une meilleure bouffe. Je peux pas assigner les gens. Faites ça là. Ah, vous êtes mes adeptes, vous êtes pas foutus de planter des graines quoi. Ah, regardez que Vanir, il fait le travail là. Avec son petit chapeau. Bon, du coup, est-ce que je donne un cadeau à Charles quoi? Déjà, j'ai un Junio, j'ai envie de t'offrir des cadeaux. Faire un cadeau. Non, j'ai un Junio, tu vas aller vite. Mais beau! Qu'est-ce qui se passe? Attention, hein? Bon, Charles, viens voir. Je vais te faire un cadeau. Voilà. Pars pas, hein? Je fais pas le bâtard, hein? Bon! On va repartir, hein? Une nouvelle doctrine. Non, c'est pas ça. Ah, mais il y a le sermon déjà aussi aujourd'hui là. Venez tous,
Oh là là, mais parfait, vous êtes délicieux en fait. Arme vampirique. Vous donne une chance de vous soigner grâce à la force vitale d'un ennemi mort au combat. Pas mal. Débloque 3 nouveaux maléfices. Ok. Augmente votre quantité maximale de ferveur vous permettant d'utiliser un maléfice supplémentaire. C'est pas mal. C'est direct. On a de merde. Hop là. Pas beaucoup. Le rituel est en recharge. Et la couronne, est-ce que c'est toujours en recharge? C'est en recharge. On verra ça plus tard. Salut les bébous. Faut faire à bouffer avant de partir. Au moins deux mecs qui bouffent. Enfin, Charles et Toulou, ils vont aller. Ah, mais on peut aller pêcher, c'est vrai, j'ai oublié ça. On va y aller. On va y aller. Chemin. Du pèlerin. Rupture de stock apparence débloquée. D'accord. Ah, des baies. Ah, des baies. Eh ben, putain, c'était caché derrière la maison. Ok. Pas miné, hein. On récupère toutes les ressources, de toute façon. Il le faut. Ah! Tiens, tiens, quel gros marin t'amène. Ou bien tu attends peut-être que je pêche à ta place. Je ne suis pas l'un des fanatiques sans cervelle. Ok, donc là, il y a un coin à pêche. Je vais juste récupérer ça avant. Les arbres, je sais pas si je vais les péter, ça. Oh, quoique, c'est les petits arbres, donc normalement ça doit être rapide. Oui, ça va. Il nous faut du bois, comme on a vu, on en a plus aucun. Je peux pas taper, je peux pas lui péter ses poissons. Hop. Allez, on récupère tout ça. Et on va pêcher après. Ok. Ah, c'est comme... Parfait. C'est le même mini-jeu que... Guy, on pourrait peut-être s'entraider. Il se trouve que j'ai pêché quelques trésors très précieux durant ma carrière. Des trésors qui n'ont aucune utilité pour un pêcheur tel que moi. Mais toi, tu as une idée à aimer les trésors. Une tête à aimer les trésors. Les créatures les plus insaisissables se cachent sous ces vagues. Voilà des années que j'essaie de les attraper. Si tu arrives à les pêcher pour moi, ces trésors seront tous à toi. J'attrape un crabe, un homard, un poulpe, un calamar. C'est pas des amis. On n'est pas des poissons. Donne une chance de recevoir un poisson lorsque vous tuez un ennemi. Oh, mais oui. C'est un plaisir, ça. Attends, mais on peut pêcher quand on veut. Oh là là, c'est... Oh bah j'ai déjà des calamars. Ah, je veux le giga poisson là. Bâtard. Hop là. C'est pêché hein. Putain, c'est trop bien. C'est vraiment le meilleur jeu au monde. Allez le gros poisson. Petit bâtard de petit poisson. Quoi, c'est déjà la nuit? Ah! Ah mon dieu, non, je veux pas d'adepte poisson.
Oh, le crabe. Oui. Viens à moi. Gigantesque poiscaille. Bon. Deux tons. Je sais pas si ça change grand chose leur visuel. Non, je pense pas. Plus que deux. Hop là, waouh, pile devant lui quoi. Voilà. Tiens. Pince-moi, je rêve, c'est un crabe. Ce truc m'en a fait baver. J'ai bien cru que j'avais attrapé une baleine. C'est pour toi. Ah, mais oui, c'est le. Un peu peur, mais oui. Tiens. Quand même. Le calamar insaisissable, formidable. Prends ce machin, je l'ai attrapé il y a près de 50 ans. Ça me sert à rien. 50 ans. Ah. Oh. On va voir un truc. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Oula. Ah, qui ose entrer dans la demeure de la lumière sacrée? Oh, toutes mes excuses, nous sommes un peu anxieux. Voyez-vous, malgré nos prières, la lumière du phare faiblit un peu plus chaque jour, et les bateaux s'écrasent sur nos rochers. S'il n'y a plus de bateaux, il n'y aurait plus de pèlerins pour emprunter le sentier sacré. Seulement notre guide était là! Elle saurait quoi faire! Nous ne l'avons pas revue depuis qu'elle est partie un jour se promener sur la jetée tard dans la nuit. Nous l'avions pourtant supplié de ne pas y aller, nous savons tous que les crocs des ténèbres rôdent dans les parages, mais elle n'a pas écouté! Maintenant que nous n'avons plus d'autre choix que de prier pour que le phare nous éclaire de sa lumière une nouvelle fois. Saluons tous ensemble la lumière sacrée. Interesting. Bon. Bon alors, qu'est-ce qui se passe au bercail là? Daniel. Phase de mission. D'accord, donc ils ont des. Charles a un niveau faible. Charles a un niveau 1. Il va venir un niveau intermédiaire. Ouais, mais. Il va venir. Tout le monde a un niveau faible sauf le venir vu qu'il est niveau 3. Est-ce que. Les mettre niveau 3 les gens. Mon dieu, c'est en disant. Un petit sac d'invocation hein. Ça fournit en plaisir. Ok, alors attendez, venez là. Il y a chose à vous dire là. Est-ce que vous êtes chaud pour moi? Ouais, peut-être plus de. Une nouvelle doctrine. Bah, on continue, on les travaille à la prière. Ouais, hein. Prière quotidienne ou monument éternel? Évoque le rituel permettant d'achever instantanément la construction de toutes les structures de la base. Débloque le rituel permettant d'augmenter de 20% la vitesse de génération de la dévotion à l'autel pendant 3 jours. Vitesse de génération de la dévotion à l'autel pendant 3 jours. D'accord, donc. Dis, hein. Petit rituel. L'augmentation de la dévotion. Avec mes petites oreilles, là. 75 d'os. Allez, on va faire un petit rituel, les enfants. Tous ensemble, tous ensemble. On va mettre le cap. Ah, ça sera mignon.
Et du coup... Hop. D'accord, ok. Oh, je vais pouvoir vous faire des poissons délicieux. La bouffe pour tous. J'arrive, Vanir. Nicia. Nous devons prêcher votre parole auprès du plus grand nombre. Charles voudrait devenir missionnaire, exaucer son souhait. Bah, oh là, toi, je sens que tu veux buter Charles. Comment vas-tu? Je t'inspire. Petit cochon. Hadès. Comment ça va? C'est bon, Gwania? Oh, ça avait l'air bon. Je n'aime plus ton nom, toi. Gaston? Gaston, le cheval. Ah oui, c'est Gaston. Pas mal. J'ai un Junio, je t'ai pas inspiré, toi. Ah, Gérard Junio passe de level. Très agréable à toi. Oh là là, une autre doctrine, mais insane. Charles, je t'ai pas inspiré. Oh Charles, tu passes niveau 3, tu vas pouvoir devenir un missionnaire, mais efficace. Parfait. Vous avez pas fait caca. Oh, les buissons à belles. Oh, mais Cthulhu, tu es trop mignon. Je t'aide. Je te laisse gérer. Non, mais il se barre. Les buissons à belles, à choper tous les toutes les belles. Je mets tout ça. 20 pièces, j'ai pas assez. Charles! Tu vas choper. Ah, des pièces ou de la viande? La viande, il a moins de chances de mourir. Allez, la viande. Oh, il a son petit baluchon. Ah, c'est trop cute. I can't. Accepter le cadeau de Gwenir, bah t'es où frère? Et là Gwenir. Un comblé d'honneur, merci. Oh là là là. Oh. Tu veux que Charles meure? Ok, bon, je vous laisse faire ça. Vous prenez les belles hein. Ah. Les abris basiques, c'est pas mal, hein, je pense. En vrai, ouais. On va faire les abris basiques. Parce que vos lits, là, ils arrêtent pas de se péter, c'est plus la merde. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça permet de créer des ressources sacrées. Oh là là là, oh là 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 là, oh là 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 là. Ça va partir en autre boudin, on va commencer à faire des vis, là. Qui a chié devant? Ah oui, oui, non, mais t'inquiète. Cher sa mère. Ah. On va améliorer ça. Il était pété en plus. Qu'est-ce que tu fais, Charles? T'allais où, Charles? On a pété un truc. On va avoir plus d'adeptes.
en chill comme ça, mais j'ai pas envie qu'il y ait des adeptes qui meurent là. Je les aime tous. Sauf Gaston. Et Charles Piquet. Oh. Une paire de gants acérés comme des lames de rasoir. Efficace pour les combos. Oh. Oh. Arrivé sur les terres du prélat Eket. Ceux qui se détournent de la vieille croyance seront anéantis. Ok. Bon, on va pas défoncer tout. C'est un peu long. Oh, c'est fort! Ah, c'est sympa! En effet, c'est le dernier coup là, il met des giga patates là. Regardez ça là. Ah, il porte des bombes ce bâtard. Ah non, d'accord. Ok, bon, on va continuer à droite. Qui fait? Ah ok. Oh le bâtard. Giga patates, plutôt pas mal. Surtout que ça fait des patates en AOE là. Ah le bâtard. Faire des chemins. Est-ce que j'avais tout fait? Non. Ah, oh, j'étais pas allé tout en haut. Il va vite. Pour rien oublier. Alors... La vitesse d'attaque, c'est pas mal. Les dégâts aussi, tu me dis giga patate, mais la vitesse d'attaque ça peut être pas mal pour finir les combos. Tu finis les combos plus rapidement et le dernier coup de des mains fortes. Ouais, voilà. Pas mal. C'est mieux. Désolé, tu me fais entendre un nouveau serment. Putain, c'est vrai que le temps il passe du coup quand t'es ici. On va prendre du bois. Important le bois. Et tu défonces la maison des gens qui chopent du bois. Alors... escargot là. Délicieux ces ressources là. C'est ça, mais ça donne rien. Un prix. Tiens, vous avez un projectile qui pourchasse les ennemis.
5. Ça, hein. La rafale divine, c'est autour de toi, donc c'est un peu chiant. Ah! Coup critique, on va tester. C'est un effet qui se voit. C'est vrai que j'ai pas remarqué, mais c'est vrai que au-dessus là de des endroits, il y a des indications comme pour sur ce que ça va être. Je regarde plus en détail. On va tester. De la couronne rouge, tu as battu notre cadet. Nous sommes les prélats de la vieille croyance. Nous la protégeons des mécréants tels que toi. En tant que gardien de la bonne parole, nous ne tolérons pas un tel blasphème. Tes péchés sont nombreux, par ta faute tes fidèles adeptes doivent souffrir. Non, pas que Toulouse. Que... Où suis-je? Guide? Tu pas que Toulouse. Il est en train de mourir de faim! Toulou! Faut aller vite! Oh le fils de Yinch! Là je vais te défoncer ton truc là! Allez, rentre chez toi, marmaille va. T'es moche mais on va te changer, t'inquiète. On va te remplacer, on va remplacer ton visage. Collier d'ossements, citrouille ou des pépites d'or. Ah les bâtards. Allez, on va manger des citrouilles. Wouhou! Monde. Et que Toulouse arrive, on va te faire de la soupe à la citrouille là. Et j'ai pas pris de dégâts du boss, on l'a défoncé. Petit con. On a plein de pièces. C'est bien. Dès que tu me vois, je suis enchaîné et réduit à l'impuissance. Mais ça n'a pas toujours été le cas. J'ai été envoyé dans cet endroit de malheur par les prélats de la vieille croyance. Ils m'ont trahi et m'ont jeté dans cette geôle. Trahi, enfin ils étaient amis. Chacune des chaînes qui me retiennent est protégée par l'un des quatre prélats. Oui, ça on sait. Tue les prélats et brise mes chaînes. Une fois qu'ils auront tous été éliminés, je serai enfin libre. Tu me dois la vie, porte-couronne. Tu as une dette envers moi. Je suis encore trop faible pour pouvoir vaincre les prélats. Sacrifier un adepte pour absorber son pouvoir, ça t'aidera à mener à bien ta quête. Sacrifier un adepte pour absorber sa puissance. Ça permet de débloquer de nouveaux pouvoirs et de nouvelles armes. Les adeptes de niveau supérieur ont plus de valeur lorsqu'ils sont. Mais moi je veux être gentil. On veut pas te tuer Gvanir ou... Qui tuerait Gérard Junio? Totalement mort. Mais vous foutez rien dedans. Allez poteau là, faut faire des choses hein. On arrive, Cthulhu. Non, attends, il y a des choses. Alors, ça fait quoi ça? Débloque un ensemble de décorations simples pour embellir votre base. Oh, ouais, Balek. C'est quoi déjà? La dévotion, la prison, on s'en fout un peu pour l'instant. La mine, le bois, hein.
ça va être assez utile. Hein. Épouvantail. Attendez, ouais, je vais vous faire manger, je vais vous faire manger. Y'a rien ! C'est le légume ! Ah si, c'est quand même pas mal. Ah, ça risque de donner la diarrhée par contre. Enfin, désolé frérot, mais... Allez, mange, mange, mange. Voilà. Parfait. C'est quoi le truc en haut là ? Comment je peux savoir ? Notification. Augmente de 20%. Rituel de l'éveil, d'accord, c'est le rituel. Mais qui n'a pas de lit ? Ah, il y a un lit qui s'est pété. On va remplacer les lits de toute façon. Il manque un. Qu'est-ce qu'il fait lui ? Gruik, gruik ! T'inquiète, je t'inspire. Tu vomiras après. Non, gruik, gruik, il est gravement malade. Va te reposer. Mais non, mais pas là. Mais qu'il est con. Ah merde, mais du coup t'as plus de... Oh, gruik gruik. Qu'est-ce que c'est, Passo? Oh, le Del Passo. Gruik gruik, t'inquiète, on fait des choses. Et oui, c'est vrai, j'ai un autre adapté. Alors toi. Oh, tu es mignon, mais on va t'appeler Moni. Mais putain. Voilà, choix de l'apparence. On va te mettre un petit cerf. Oh, vraiment le requin, non, jamais. Il est là, le petit cerf. Il est mignon. En couleur, on va te mettre blanc. Là-bas, il n'y a plus blanc. Voilà. Et en variation... Oh ! Oui. C'est oui. D'accord. Allez, sois avec moi. Ah ! Bah voilà, toi, t'es fermier. Et je t'inspire un peu. Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a pas assez de lit pour tout le monde. Parce que il est malade. Gruk gruk, t'es malade, va dormir. Va dormir. Gvenir vient de bouffer. Gvenir, je t'ai pas béni. Inspiré maintenant. Oh, il a un petit thermomètre. Oh, je meurs. Merde, non, 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 allez pas dormir. On n'a pas fait le sermon. Venez, 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 venez. Il est pas le malade, hein. Mais Grugru qui est pas là. Voilà. Prendre ça. J'aime bien me heal, mais... faire des dégâts quoi. Ah, vous donnez beaucoup là. Pas mal ça. Merci à vous. Couronne. Nouvelle doctrine. Bon bah, ni ça. Hein. Dans le repos, dans le rituel permet à vos adeptes de travailler deux jours entiers sans se fatiguer, même la nuit. Donc il doit permettre de ne pas travailler pendant une journée et de gagner 80 de fois. C'est de l'effort, hein. Tout le monde a foi en moi, en vrai. Tout le monde a même bien. Je pense que ça peut être pas mal. On va se faire un petit rituel maintenant. Oh, ah non, putain, le rituel sacrificiel, ta mère.
La foi baisse pas mal. Là. Peut-être fait une connerie, moi. La foi est monte. Non, viens, viens, toi. Fais-moi ça. Oh non, ils dorment tous par terre, vu que les lits sont pas encore faits. Oh non, c'est super long. Bon, désolé, frérot. Moni, du coup, va s'occuper de ça. Utiliser. On va récolter. Et puis, en attendant... Charles, il est rentré, mais il a eu de la viande, là. J'ai pas vu. Tu retournes, du coup, frérot. On avait le... pour faire... Ouais, putain, 20 pièces. C'est bien. Il me faut de la pièce, là. Salut. On peut pêcher du poisson sky, là. Ah! Oh! Pauvre agneau, ne sais-tu donc pas qu'il est dangereux de s'aventurer dans la nuit? On ne sait jamais ce qui se cache dans l'obscurité. Pourtant, je ne sens aucune peur en toi. Comme c'est curieux. Oh, tu portes la couronne rouge? Je connaissais bien ton prédécesseur, un être faible et lâche. Il ne ressemble en rien, du moins je l'espère. Tu as conclu un pacte par le passé, je t'en propose un deuxième. N'aie crainte, je n'exigerai rien d'autre précieux que ton éternel salut. J'ai faim. Je meurs de faim. Je veux un poisson. Je donnerai quelque chose en échange. Acceptes-tu? Oui. De la mare, c'est rare. Prends ceci et retourne-toi, je te prie. Je n'aime pas qu'on m'observe lorsque je déchire quelque chose. D'accord. Ah bah parfait. Jack. Eh ben on va pêcher. Allez vite, on m'attend là. Il y a plein de poissons, bordel. Ils font un homard là. Oh, un crabe. Non, le crabe on l'a déjà donné. Homard et écrevisse, un truc comme ça. Plus l'autre. Poulpe. C'était poulpe, calamar. Tiens, viens. Allez, hop, hop, hop. Bien manger. Nourrir tout ça. Ce beau monde. En plus, on va rentrer Moni. Normalement, il va être... Vu qu'il est fermier, il va me donner plein de baies. On va avoir plein de bouffe. Et ça, c'est bien. Parce que un petit culte avec le ventre rempli, c'est un culte qui va bien. Par contre, c'est toujours des mêmes poissons. J'ai pas de homard. Des petits poissons. Mais ça c'est de la friture. Il en faut 8, j'ai l'impression, pour faire un plat. Pour le gros monsieur. Ah viens, 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 viens. Ah viens, 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 viens. Des gros thons.
J'espère qu'on peut bouffer du crabe, hein. On est pas mal, là. Oh là, j'ai passé toute la journée à faire ça. On va voir la nuit. Je vais même pas faire le sermon. Oh. Allez, plus que 3. Tiens, pour l'instant, l'autre con, là, il est trop naze, là. Il a rien pêché. Juste un génie en pêche, quoi. Dans Stardew Valley, il y a un système de pêche comme ça. Mais beaucoup plus difficile. Et chaque poisson a un pattern différent. Et du coup, c'est vachement cool parce que... Plus tu pêches, plus tu te dis « Ah, là c'est un brochet. Ah, là c'est un saumon. Ah, là c'est une anguille. Ça fait n'importe quoi. » Voilà. Tu veux rien. Merde, j'ai fait quoi? Je peux pas aller parler aux autres, là, normalement. J'ai vu le mec, mais... Non, Balek. Ok. Ah, du poiscaille. Oh, qu'est-ce qu'il y a, Gaston? Alors... Les adeptes. Oh bah parfait. Ouais, si tu veux, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme truc qu'on peut faire? Bon, on peut faire le poisson, hein. On va faire le poisson et on va l'appeler Sacrifios. Voilà, il va se douter de rien. Et on va le mettre rose. Elle est nulle en plus. Oh, Sacrifios, désolé. Hein. Qu'est-ce qu'il fout là-bas? Shalom, papa. Ayez pitié. Alors, toi, tu vas être. Oh, la arbustre immonde. Une buffe, une girafe, une grenouille. Alors, on peut voir ça, mais en. Ah, y a pas de variation. Pas très beau quand t'es comme ça. On va l'appeler Choupisson. Et Choupisson, ouais, il va garder cette couleur, je pense. Genre de hérisson. Il est plus mignon à droite. À gauche, pardon. Oh, mais il est nul! Ça va, Moni? Il est mignon? Alors, Junio? Ça va? Ah, j'arrive, je le donne à bouffer. C'est dégueulasse, poisson pack. Savoureux, plein de poissons. Ah! Ah, par contre. Est-ce que si j'en fais trop, c'est pas bien? Faire ça? Allez hop, nourrissez-vous tous. Gaston. Shalom, Bankai. Toi bien, toi bien, toi bien. Par contre, faut des lits là, bordel. Ouais, vous avez fait ça pour moi, vous êtes véritablement incroyable. Mais oui, Gaston. Hop là. On va
Alors par contre, les lits là, ça commence à puer le cul les pièces. Là. Voilà, mangez tous. On va faire le sermon. Parce que quand même, faut pas rigoler. Merci à tous. Bah ouais. Hein. Le cœur supplémentaire. Ah, la thune, ça va être compliqué, là, ça va être un problème. Hein. C'est bien. La foi est bonne. Est-ce qu'on fait ça, du coup? Si la foi est bonne, on peut en profiter. Voilà, mettez votre petite capuche. Je suis en train d'imaginer un père ou une mère qui rentre dans la chambre de son enfant et qui voit qu'il joue à un truc comme ça. Très marrant. Ouais, Gric Gric. Eh, vous parlez pas mal là. Oh putain, il faut aussi un poste de truc et tout. Oh, mais il faut toujours des pièces. Toujours de la pièce, de la pièce, de la pièce. On va chercher des pièces là. Je peux refaire les autres du coup. Je peux retourner sur lui là. On testera. 19h52, allez, on fait une dernière run et puis on arrête là. Ah, la hache. Ça fait plaisir. Ok. Qui toi? Je t'en prie, ne te fais pas de mal, nous sommes de simples adeptes perdus en terre inconnue. Nous avons voulu acquérir ces précieux champignons hallucinogènes, c'est tout ce qu'il emporte. Il a perdu la raison. Une fois sur place, nous avons réalisé que nous n'avions aucune idée de l'endroit où se trouvent ces champignons. Maintenant, nous sommes trop effrayés pour entrer les mains vides. Il te récompense en grotte au sport. Ah. Faut des champignons. Je les tape ou pas? Bien sûr que je les tape! What the fuck, ils donnent tellement de ressources! Et je suis pas là pour trier des trucs là. On en a plein de champignons, on va faire des soupes. Alors. Hein. Je pense qu'on le voit pas en vrai. Ou alors je fais jamais gaffe. Ah si, là il y a des. Non, c'est juste du. Non, là j'ai aucune idée de où aller. Il n'y a pas d'indication en fait. Ah, merde. Qu'est-ce qui se passe? Ah, est-ce que Jean-Jacques va venir me faire chier? Ah.
Un pentagramme à 5 branches, 5 mauvais présages, 5 membres d'une même fratrie côte à côte, 5 dieux, une seule tombe. Shamura, nous ne voulions pas te déranger seulement. Shamura, la couronne rouge gagne en puissance jour après jour. Elle a réussi là où il a échoué. Leshy a été tué. Lorsque les 5 deviennent 4, puis 3, puis 2, puis 1, les 5 ne sont plus. Shamura, repousse-toi, nous allons nous en occuper. N'est-ce pas, Calamar ? Oui, ma sœur. Abominable porte, incline-toi, tu vas le regretter. Non. Incline-toi, tu obligeras moi-même. Quoi ? Bah. Peut-être aller à droite là. Ah non, en haut. Il est invincible ou quoi? Il meurt! Ça donne pas grand chose de taper ça. Pareil. Ça permet à un adepte de vivre deux fois plus longtemps. Comment ça, deux fois plus longtemps? Je vais mourir? Que ce cirque. Ah, le bâtard, il a tout remplacé par de l'attaque. C'est ça qu'il a fait. Bâtard. Pépite d'or. Parce qu'on fout de ça. Ça fait merde. Non mais je me fais défoncer le cul. Et hop, prends tes watts. Ah, j'ai grave cher. Hein. Je galère avec les petites mouches. Hein. Si on le voit en bas, enfin en haut. Hop. Défoncer des mers. Et on y va. Bon là j'avais pas vu au milieu. Grug est gravement malade, il y a besoin de repos. Emballé. Ah, Grug. Je comprends mieux maintenant pourquoi j'ai un sort pour revenir dans le camp. Ah, Gérard Junior n'est plus malade. Thank you.
Ah, la viande. Les pièces de coffre sont remplacées par de la nourriture. Ah, mais merde. Je viens pour des pièces, moi. Ça par contre. Ah mais il y avait marqué, d'accord. C'était ça que ça voulait dire. Juste en dessous dans la minimap. Cher d'adepte. La bouffe quoi. Ah mais merde. Ah, j'ai bientôt plus de vie là, faut que je fasse gaffe. Lanterne des bois. Pas mal, c'est joli. La lumière. Allez. El Bosso. Bosso le clown. Ah mais non, mais non. Mais d'où Monsieur le juge. C'est intolérable. C'est un monde qui manque de tolérance. Oh petit bâtard. C'était dessus. Non, il m'a pas tapé. Challenge. Ouais. Bam. Oh, des spores hallucinogènes, bah voilà. Eu. Ah, où qu'on va? Gauche, droite, milieu. À gauche, ça a l'air d'être le boss. Ah, saute! Ah, voilà la tunasse. Ah, de la vie. Ok. Allez. Merde.
Oh mais non. Oh là. Oh, un hibou mais pas très beau. Un hibou d'un. Les os. Ah, des graines de citrouille ou des citrouilles? Par contre, 10 citrouilles ou 9 citrouilles, c'est con. Des graines de citrouille, hein. Ah, bon. La thune. Y'a pas de champi-alu, là? Ah, pas l'air. Rentrons chez nous, ça fait longtemps. On n'est pas retourné chez nous. Ok. On a quand même gagné pas mal de choses. On s'est salement touché. Hein. Ce qu'il veut. Porte-couronne, ne me vénères-tu donc pas? Pourquoi n'essayes-tu pas de me faire des offrandes dans l'espoir d'attirer mes faveurs? J'ai placé un coffre dans le culte afin que tu puisses y déposer des présents. Dans mon infinie générosité, je les transformerai en or. Ah! Cependant, tes offrandes doivent être à la hauteur de ma grandeur. Si tu m'offres le même présent plusieurs fois de suite, je te donnerai moins d'or. Fais preuve de patience et je changerai peut-être d'avis. Fais-moi honneur et je saurai te récompenser. Ah, ça c'est bien. On va pouvoir avoir de la thune. Autre que juste récupérer dans la forêt. Oh non, Gérard Junio! Ah bah, ça va Charles. J'ai réussi, ma mission était un succès. C'était les offrandes. Ah, mais tu es un... Oh là là, oh oui, va dormir. Qu'est-ce qu'il y a, Hades? Guide, le bois et la pierre que vous trouvez dans les donjons ne suffisent plus. Construisons un poste de bûcheron et une mine afin que nous puissions nous aider à récolter ces ressources. Bah, t'es très mignon en fait. Tiens. Hades, je t'aime bien. Je vais faire un petit cadeau. J'ai pas compris, mais tu vas vivre deux fois plus longtemps apparemment. Mais ils sont tous malades, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe par ici? Allez, sac de couchage là. Et on va faire boisson. ~75% que l'adepte meurt immédiatement. Mais what the fuck les amis en fait? Non? Plein de légumes en plus. Voilà. Mangez bien. On va faire un pote de bûcheron. Ah bah. Non, passe de mine. Une mine. Non mais Gruic. Oh Gruic. Il est dégueulasse. Tac Toulou. Personne n'est mort, on est d'accord. Attends, je vais enlever les caca là parce que... C'est à cause de ça que vous tombez malade aussi, il y a plein de merde partout là. Faudra qu'on fasse que des chiottes hein. Ça va Choupisson? Eh bien. Ah ouais non mais oui, il y avait du caca partout aussi là bordel. Attendez, faut que je fasse plein de trucs là. Du coup cette merde. Et cette gueule Eligos. Pas très très beau.
C'est comme ça. Hein. T'appelles comment, frère? C'est pas très beau, hein. Et quoi d'autre? En vrai. Oh! Oh, la corne! Zane! Ah ouais, non, une corne avec du sang, là! Trop bien! Incroyable, mec! Quelle couleur on va te mettre? J'ai un peu toutes les couleurs maintenant, violet. Et on va t'appeler. Comment on peut t'appeler? On va t'appeler Corne. Cornio! Voilà. Gagne des niveaux 15% plus rapidement. C'est bien ça. Allez, viens. Et non, bah mineur. Il y a pas assez de lits pour tous les adeptes. Foi, on va augmenter. Faisons un petit serment. Ça en est bien. Pas mal. Merci à vous. Nouvelle doctrine. On a plein là. Alors déjà on a fait tout le travail et prière. La valeur des biens terrestres. Sens de l'obéissance. La pitance là, c'est un peu galère la bouffe. Un jeûne, ils ne mangeront plus pendant 3 jours. Organisez un grand banquet pour nourrir vos adeptes et gagner plus 25 de foi. Ah ouais, donc est-ce qu'on leur donne plein de bouffe? Ils sont super contents ou est-ce qu'ils mangent pas? En vrai, plein de bouffe, je pense que c'est pas mal. Moi j'aime bien la bouffe. Ça, ça dépend combien ça coûte quoi. Oh mais ça coûte que. Oh mais ça coûte que des os. Mais oui, mais tous les jours, oui. Faisons ça. Oh le banquet des dieux. Mangez ceci et votre sang. Ah bah vous pouvez être heureux là. The fuck les amis. Putain mais du coup pourquoi ma foi est à combien là? Ah c'est un début de banquet. Par contre. Oh. C'est gentil à toi, Moni. Il est malade encore. Mais va te reposer, Gruik. Merci, guide. Je savais que vous pouvez faire confiance. Ah, tu peux me faire confiance, Gérard Genio. Mais va te reposer, frère. Non, 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 va le repos, là. De quoi tu me parles? Mais Moni? Oh, attends, il est où? Eh, le cornio là! Non, pas ça que je vais faire. Pas toi. Travaillez! Aucune tâche disponible, quoi? Non, mais c'est à moi de récupérer tout ça? Oh, hé! Hey. Voici, regardez la foi là, elle est gigantesque. Tout le monde m'apprécie.
Par contre, j'apprécie pas trop que... ce soit moi qui devais devoir... récolter tout le temps, là. Merci de venir de m'aider. Bon, je gagne pas mal de graines. Ils dorment pas les autres? Ah, mais ils sont encore en train de... pas besoin de sommeil. Trop mignon avec son petit chapeau, Gvenir. Me prier comme Jojo là. Bon. Choupisson, t'es gravement malade. Et au Choupisson. Qu'est-ce que vous avez bouffé? Qu'est-ce que vous avez foutu là? Pourquoi d'être si malade? Charles, t'étais badass. Hein. Va choper des pièces. Ah. Vas-y, bisous. Allez, caca. Ouais, il y a tellement de malades. Vois bien les bébous. Oh, j'ai plein de trucs. Ah, déjà les calamars. Ça donne tellement. La chair d'adepte. Qu'est-ce que t'as, Sacrificios? J'ai toujours voulu goûter un plat à base d'excréments, pourriez-vous m'en préparer un? Oh. Sacrificios, tu es immonde. Et mange ta merde. Non, 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 laissez-le. Ouais, c'est ça, oui. Ah. Tu me dégoûtes au plus haut point. Ah, c'était bien. Oh là là, tu... ouais, bah, tu prends bien ton nom. Heureusement que c'est toi qui m'a demandé ça. Vanir jamais me demanderait ça. Dégueulis, hein. Tout le monde. On a tellement de thunes. Ah oui, ok. Ok. Donc là on a récupéré tout ce qu'on voulait potentiellement récupérer. Les chiottes ça va tout. Toilette extérieure, poste de soins. Et poste de nettoyage. D'accord. Ah, les raffineries là. Ah mais les pépites. Pépites d'or c'est là. Beaucoup trop de choses à faire là. Attendez. Déjà moi je voulais absolument un cercle d'invocation là, bordel. On va le mettre ici. Ensuite. Nourriture, silo à grains, ça c'est bon. Le poste de bûcheron. Tout ce qui va être
taf, ça va être là-bas. Une mine. Une mine. Hop. Ça a carry, permet de créer. Okay, ça a carry la thune là. Ouais, donc il faut pas mal de trucs. On n'a plus aucun bois, plus rien. Ah ouais, petit bibi là. Je peux pas leur dire des mots doux. Par contre, les ressources sont. Rien là. On va aller au sport là. J'ai 4 champis. Ah, je dis que j'arrêtais, mais. Quand même pas mal le jeu. Un autre malade ? Il y avait un autre malade là ? Miam, 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 miam. Dégueulasse. Ah, c'est mieux ça. Inflige des dégâts aux ennemis que vous touchez pendant une roulade. On augmente les dégâts infligés de 30% durant la nuit. Ah, je suis plus à vitesse de déplacement par exemple. Oui mais non, je garde ma thune. Salutations camarades. Moi, mais je suis le grand Sozo. Sozo mène des recherches sur les champignons, sans doute un pro de la cueillette. Hé hé, Sozo aime plaisanter. Des champignons, c'est la spécialité de Sozo, mais Sozo en veut plus. Non, jamais assez. Et puis on apportait à Sozo. Il monte, il vole, il ricane dans le dos de Sozo. Sozo le sait. Sozo sera tout ce que tu veux. Sozo te vénérera. Il se dévouera corps et âme à ta cause. Sozo t'arrachera la tête. Oula. Sozo te montrera comment exploiter le pouvoir des champignons pour manipuler tes adeptes. Tu n'auras plus les. Tu n'auras pas à les utiliser contre Sozo. Sozo te suivra de bon cœur. Tant que tu lui apportes des champignons, Sozo fera tout ce que tu veux. Rends-toi à Anura et trouve des champignons pour Sozo. Tu les as peut-être jamais vus avant, mais ils n'apparaissent que lorsqu'on en cherche vraiment. Ah bah j'en avais pas mal. Oui, oui, donne-les à Sozo, donne-les maintenant. Bien, très bien, mais pas suffisant. Sozo en veut plus, alors Sozo pourrait te montrer comment manipuler l'esprit de tes petits adeptes. Tu as une récompense pour tous tes efforts, mais bien sûr. Prends ceci. Ah, c'est le dernier que j'ai. Oui. Vous avez trouvé 4 éclats de talismans sacrés. Les talismans sont des reliques antiques qui permettent de débloquer de nouvelles pelisses. Le une nouvelle police sur l'hôtel des temples. Parfait, ça. Qu'est-ce quoi ? Une nouvelle construction. Bon, non. Il y a de la pêche là, mais attends, mais. Je vais pas passer ma life à pêcher là, bordel. Par contre, ça. Un peu de stock là. Il y a un peu de pêche, allez, un peu de pêche, un peu de pêche. Y a tellement de poissons, sa mère. Allez. Oh, un dernier. Je me suis gouré de touche. Ah, bah c'est bien ça, les calamars. De bois, vous faites ça comme ça, vous. What the fuck, les amis? Qu'est-il, Hades? C'est vrai que je pouvais vous faire confiance. Ah, je sais pas ce que j'ai fait, mais. Oh. Mais t'inquiète. T'inquiète, fratré. Fraté.
Alors avance le sermon, on va faire la couronne. Alors, on peut avoir, lorsque vous infligez plus de dégâts pour chaque ennemi tué, effet réinitialisé lorsqu'un ennemi vous attaque. Mais c'est x2 plus de dégâts, oui. Non. Les maléfiches infligent 2 fois plus de dégâts pour 2 fois moins de ferveur, mais les dégâts de vos armes et de votre vie sont divisés par 2. Octroie un cœur corrompu à chaque carte de tarot tirée, mais vous perdrez 100% de vos nouveaux objets si vous mourrez. Oui. Tous les cœurs sont remplacés par 1,5 fois la quantité de cœurs bleus. C'est bien. Tire 4 cartes de tarot au début du donjon, mais aucune carte ne pourra plus être tirée ensuite. Chiant, mais c'est pas fou en fait ça. Les trucs de pélisse magique là. Parce que ça donne des bonus et des malus quoi. Ça fait plus de dégâts pour chaque ennemi tué. Ouais ouais, tu défonces des mers après, mais il faut pas se faire toucher quoi. Tu subis deux fois plus de dégâts. Vraiment, à la limite ça quoi. Tu gagnes des cœurs bleus. Tu t'en fous de te heal. Allez, on va prendre ça. Hein. Pas dingo, hein, pas dingo. Hein. Allez, venez, parce que pourquoi vous êtes si peu? Ah putain, ils sont plein de malades. Ah putain, mais du coup, il y a plein de malades là, bordel. Qu'est-ce qui se passe là? Doctrine encore? Bébé? La pitance! Nourrir le prédateur ou la proie? Nouvelle croyance, tous les membres du culte gagnent la croyance cannibalisme. Plus 5 de fois en mangeant un plat à base de chair d'adepte. Tous les membres du monde ont la croyance végétarisme. Les adeptes ne perdent pas de foi en mangeant des plats à base d'herbe. Bah oui. Voilà le cannibalisme, pas ouf. Quoi. Pas dingo. Même si on va peut-être pas forcément le faire bouffer de la merde comme ça. Passivement, tu gagnes des trucs. Okay. Ok, et la bouffe, on va faire un peu de bouffe. Plat de baie, mélange fade, plat de viande fade. Et bah voilà, on va sauvegarder, et puis on va voir, enfin, on s'arrête présentement ici, tac, quitter, voilà, et bien c'était Cult of the Lamb, avec Nubudi, c'est vraiment très très cool, il y a plein de trucs à faire, j'ai hâte de continuer ça, là, ça dure un peu longtemps la vidéo, mais bon. Est-ce qu'on a pris du plaisir à chill? Je pense que oui. Eh bien, bonne soirée à vous, bonne journée, et à plus tard. Salut!